Encore une fois, grâce à la radio Calaouette, on a reçu un appel pour aller sauver un animal. Et il s'agit d'un animal très spécial, un animal qu'on n'a jamais reçu en 20 ans. Il s'agit d'une loutre. Donc on va essayer de la chercher. Il semblerait qu'elle ait été détenue comme animal de compagnie pendant de nombreuses années. On est dans la ville de Palangkaraya et on va la chercher en équipe avec Enzo et Andrew. Andrew est derrière la caméra. Dulunya dapatnya? C'est vraiment la première fois pour Calaouette qu'on reçoit une loutre. Elle semble en très bonne santé, elle est encore jeune. Par contre, le problème, c'est qu'elle semble très imprégnée. Ça veut dire qu'elle a passé trop de temps avec les humains. Donc même si elle était capable de chercher sa nourriture par toute seule, en fait, il y aurait toujours un vrai problème puisqu'elle risquerait de s'approcher des humains. Donc on n'a pas vraiment d'infrastructure pour les loutres à Calaouette, on n'en a pas du tout. Donc maintenant, il va falloir faire des infrastructures dédiées à cette loutre. Et puis voir comment elle se comporte, lui donner du poisson vivant. Et puis au final, j'espère qu'on sera un jour à même de pouvoir la relâcher dans notre réserve de Pararawen. Ça serait vraiment le scénario idéal. Voilà, la loutre a passé une nuit à Palangkaraya. Aujourd'hui, elle part pour Calaouette. Elle se nourrit principalement de poissons morts. Je pense pas que ça va être un gros souci pour la faire chasser des poissons vivants. Le vrai souci, c'est qu'elle est extrêmement imprégnée. Elle est très proche des hommes. Donc c'est ça le principal frein pour qu'elle retrouve un jour la liberté. Et ça le plus vite possible. J'espère vous montrer dans la série l'évolution de cette loutre jusqu'au jour où on pourra enfin ouvrir sa porte.